Salut les amis, bienvenue sur la chaîne du bonheur. Ici le leader Ostan, depuis le Cameroun, auto-entrepreneur web. Bien vouloir vous abonner déjà à la chaîne si vous êtes nouveau. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour les nouvelles publications. Likez également, commentez avec ceux qui sont autour de vous et qui développent l'activité ou qui peuvent développer l'activité. Alors cet après-midi, on va faire un retrait sur l'opportunité PamaFone. PamaFone, je pense que j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne ici sur YouTube. Voilà, vous pouvez consulter également. Je pense bien que je l'avais déjà fait. Donc, on va se connecter rapidement à mon compte PamaFone et ensemble, on va effectuer tout doucement un retrait. Voilà, patientez que je me connecte là. Voilà. Ok, donc on va se connecter rapidement. Et voilà les amis, comme je vous disais, nous voici bien dans mon compte. Si vous regardez, pour ceux qui avaient vu la vidéo précédente, vous verrez que j'avais investi au départ, je pense, 200 $ dans PamaFone. Ok, et puis à ce jour, j'ai réinvesti encore. Donc actuellement, j'ai 303,44 $ d'investissement. PamaFone est cette société-là qui est en ligne depuis 2018, mais ce n'est qu'en 2021 que moi j'ai fait la connaissance de cette fameuse opportunité. Et en tant qu'investisseur, j'ai décidé de me lancer. On dit toujours dans les investissements en ligne, ayez toujours plusieurs sources de revenus. Okay? Investissez le montant que vous pouvez vous permettre de perdre. Parce que quelle que soit la bonté de la compagnie, okay, ça n'exclut pas le risque zéro. Voilà. Donc, ensemble, on va voir comment est-ce que PamaFone paye. Voilà. Ici, sachez que c'est tout simplement comme taux d'intérêt, vous avez jusqu'à 2%. Ok, jusqu'à, je préfère mettre le thème là, jusqu'à, ça veut dire c'est pas fixe quoi. Ok, donc on va aller dans rapport et ensemble vous allez voir ce que je gagne. Ok, ce que je gagne de chaque jour par rapport à mon investissement. Donc, income détail, roi des daily bonus. Ok, voilà, en français simplement rapport de bonus journalier. Voilà, donc on va aller ensemble au début de la page. Ça, c'est tout l'historique. Donc, vous pouvez voir, j'ai commencé à investir à PamaFone le 28 janvier 2021. Vous voyez, je recevais 1,992 $, 1,992. Vous voyez, ici 0,80, 0,817. Vous voyez, ça varie. Des jours, je reçois 2 $, 2 $, 0, 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc c'est pour vous dire que ici ça varie, donc c'est pas un pourcentage fixe. Donc, il y a des jours que je reçois 1% de mon investissement, des jours je reçois 1,5, 2%, 2,26. Voilà, ça peut arriver parfois aussi. Voilà, vous voyez ici ça remonte, ça augmente. Voilà, donc nous sommes déjà au mois de février. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, je continue à percevoir. Voilà ce que je continue à percevoir. Je perçois jusqu'à ce jour. Donc, vous voyez, il y a des jours pour 300 $ investis. Vous voyez, il y a des jours où je reçois 1 $. Donc, vous pouvez taper votre calculatrice pour savoir quel est l'intérêt du journalier que les gars m'ont payé. Voilà, donc, PamaFone, je vous disais, c'est une compagnie très sérieuse qui travaille pas mal et elle est vraiment promoteur jusqu'à ce jour. Après 2 années déjà en ligne, elle continue toujours à satisfaire de nombreux investisseurs. Mais sauf qu'elle est beaucoup méconnue du public africain. Donc, vous voyez, le dernier paiement, c'était le 5 mars. Voilà, donc vendredi dernier. Alors, à PamaFone, je vous disais, les retraits, c'est uniquement les dimanches. Voilà. Ici, compte tenu de la fluctuation du Bitcoin, la compagnie s'est arrangée à fixer un seul jour de retrait, uniquement le dimanche. Donc, vous faites vos retraits le dimanche et dès le lundi 24 plus tard, vous percevez vos gains. Alors, rapidement, on va aller dans Withdraw Master, Roi Withdraw, puisqu'on veut retirer dans le portefeuille Roi. Ouais. Voilà. Donc, on va retirer ensemble. Pas ma faune, c'est du sérieux. Donc, c'est du lourd. Vous avez vu du 28 janvier au 5 mars. Voilà, c'est que
Ok, donc voilà bien et bien les amis, voilà mon solde disponible, 61,380 $. Voilà, et ils mettent toutes les virgules, hein. Quelqu'un pourra lire 61 000 $. Non, c'est pas ça, c'est 61 virgule. Ok, donc on va retirer 61 $, puisqu'on ne retire pas la virgule. Voilà, donc on va saisir l'OTP. OTP, et puis on va valider simplement sur withdraw. Voilà. On patiente. Non, non. Le code ping n'est pas correct. Donc patientez que je vais copier ça rapidement. Je l'avais noté quelque part. Donc, il était question de mettre notre code PIN. Okay. Donc, j'ai obtenu mon code PIN. Et une fois le code PIN renseigné, on va cliquer simplement sur withdraw. Et voilà, withdraw Kassen Successful. Voilà, donc les amis, c'est comme je vous disais, ça marche. Pas ma faune, vraiment, c'est du lourd, c'est du sérieux. Vous voyez, Roi Wallet Balance, ici. 0,38. Voilà. Donc c'est ça les amis, c'est ça. Voilà le 7-3 retrait de fonds, 61 $. Voilà. Donc ici, c'est noté aussi qu'ici, il n'y a pas de frais de retrait. Hein. Voilà. Donc c'est totalement gratos. Voilà. C'est pas comme d'autres compagnies, on va dire c'est 5% ou 10%. Non, 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 non. Ici, restez tranquille. C'est 0% de frais de charge. Voilà, la compagnie vous paye votre argent. Voilà, donc demain, top pile, moi je vais recevoir mes gains. Voilà, donc vous voyez, Roi Wallet 0,38. Ok. Voilà, donc c'est ça les amis. Voilà mon investissement. Vous pouvez confirmer. Voilà, donc c'était bien là le leader restant depuis le Cameroun. La suite au prochain numéro. N'oubliez pas, je vais laisser le lien en dessous de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Vous pouvez tout simplement cliquer dessus pour vous inscrire. Voilà, et je vais laisser également mon contact WhatsApp. Ok, pour ceux qui ont besoin du guide, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. Merci, ciao.